est ton lien avec les Témoins de Jéhovah? C'est sûr qu'il me reste plus beaucoup de liens avec eux, je te dirais. Mais j'ai été Témoin de Jéhovah pendant 18 ans. Puis, il y a 5 ans à peu près, j'ai décidé de quitter parce que ça ne marchait plus côté valeurs et j'ai été excommuniée, en fait. Ça implique quoi, être Témoin de Jéhovah? Je dirais que ça implique une implication totale, c'est-à-dire dans tous les choix de la vie qu'on fait, il faut vraiment avoir un engagement, je dirais, hebdomadaire, dans le sens où il faut aller cogner aux portes, on doit participer à des réunions, ça inclut aussi le fait de se tenir seulement avec des Témoins de Jéhovah, d'avoir des relations irréprochables, de prêcher par l'exemple. Wow, ça implique tellement de choses. En fait, je résumerais à c'est un engagement total. À ton avis, être témoin de Jéhovah, est-ce que c'est un choix et pourquoi? Je dirais que ça dépend, en fait. Dans mon cas, ça n'a pas vraiment été un choix. J'ai été élevée là-dedans. Mes parents m'ont toujours dit que c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis pour moi, c'était normal. Mais je dirais qu'en général, ça devrait être un choix dans le possible. Mais ça ne l'est pas toujours. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue. Quelles sont tes croyances religieuses présentement? Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le vécu que j'ai eu, mes croyances ont pas mal changé. C'est sûr que je suis croyante, je crois en Dieu. Je suis plus spirituelle que religieuse, c'est-à-dire que je travaille pour être une meilleure personne. J'essaie du mieux que je peux à me concentrer sur moi, à essayer de faire du bien aux autres autour de moi. Mais oui, je suis croyante dans tous les cas. Merci beaucoup, Géraldine. Plaisir!